Nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue au 13h. Le président de la République lance la gratuité de la maternité ce mardi. La cérémonie s'est déroulée à l'hôpital du camp militaire Tchatchi. Le gouverneur du Nord qui vous rappelait à Kinshasa après la répression brutale de la manifestation du 30 août qui a causé une quarantaine de morts à Goma. À l'invité et dans cette édition, Emmanuel Tshibambi, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec lui, nous décryptons quelques sujets d'actualité. C'est l'essentiel pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bonjour. Le président de la République, Félix Tshisekedi, procède ce mardi au lancement de la gratuité de la maternité à Kinshasa, un lancement qui s'inscrit dans le cadre de la couverture santé universelle voulue par le chef de l'État congolais. Pour cette première phase, 300 hôpitaux ont été choisis à Kinshasa pour rendre cette mesure possible et 2119 kits d'accouchement pour une maternité sont déjà prête. Nous y reviendrons avec force et détail dans notre prochaine édition. À Goma, après la manifestation qui a causé plus de 40 morts, le gouvernement décide de rappeler à Kinshasa le gouverneur militaire du Nord Kivu, une décision annoncée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, à la tête de la commission interministérielle dépêchée sur place à Goma pour des enquêtes à la suite de la répression de cette manifestation du mercredi 30 août. Suivez. Le gouverneur militaire ici avec nous est rappelé à Kinshasa pour consultation. La deuxième annonce que nous allons faire ce soir, c'est la suspension des deux officiers de la police et le commissaire provincial est instruit de leur notifier cette mesure et leur rappel à Kinshasa également pour consultation. Il s'agit du P2 et P3 de la police. La troisième mesure concerne l'organisation des obsèques dignes de ce nom du policier tué par lynchage par les membres de ces mouvements mystico-religieux le 30 août de cette année. Il est également décidé de la prise en charge des obsèques de toutes les victimes, toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Leurs obsèques vont être prises en charge par le gouvernement de la République. Autre sujet de l'actualité, la sécurité à l'Est ainsi que le processus électoral au cœur de l'audience que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula, a accordé lundi au commissaire de l'Union européenne pour une justice transitionnelle en République démocratique du Congo, Didier Rendex. Le diplomate européen a réitéré l'appui de son organisation pour une justice transitionnelle en RDC. Et beaucoup de thèmes, évidemment, comme commissaire à la justice, j'ai parlé de la situation sécuritaire dans l'est du pays et la manière d'organiser la justice transitionnelle, de voir comment on peut développer cette capacité de rendre justice, notamment pour les victimes. Pas seulement dans l'Est, il y a d'autres provinces qui souffrent également de crimes graves qui sont commis. Et donc ce que nous allons envisager, c'est avec la Cour pénale internationale, avec laquelle la République démocratique du Congo collabore déjà beaucoup, d'organiser une conférence au début de l'année prochaine pour parler de cette justice transitionnelle, de voir comment traiter le plus rapidement possible les cas les plus graves. Ça, c'est le volet vraiment judiciaire. À côté de cela, je souhaitais aussi attirer l'attention sur les mesures à prendre pour relancer un dialogue avec les pays voisins. On est prêt du côté de l'Union européenne à aider pour lutter contre les violences commises dans l'Est du Congo par le M23, mais aussi on sait qu'il faut porter une attention au FDLR et de voir quels sont les meilleurs moyens d'apporter une solution et d'apaiser la situation dans la région. Je sais qu'il y a une volonté d'aller dans cette direction. Et puis bien sûr, le processus électoral, parce que nous sommes à la veille d'échéances
échéance importante en RDC. Je crois qu'il est important que l'on puisse échanger sur l'inclusivité du processus, que des candidats puissent se présenter, que le plus d'électeurs possible puissent participer, et puis sur la transparence du processus. Je crois que c'est ce que l'on doit aux citoyens, aux Congolaises et aux Congolais, et c'est ce que la communauté internationale regardera. Les élèves ont repris officiellement le chemin de l'école ce lundi 4 septembre après 2 mois de vacances. Selon le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui a lancé la nouvelle année scolaire à l'école Moulie Kwantsapu dans la commune de Mongafula. Selon le ministre Tony Mwaba, l'année scolaire 2023-2024 est placée sous les thèmes amélioration de la qualité de l'enseignement par une bonne gouvernance et de la redevabilité. Après le lancement de la rentrée de classe, le ministre de l'EPST a co-animé le briefing presse hebdomadaire avec le ministre de la Communication et Médias. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, fixe l'opinion sur quelques questions d'actualité, notamment la question de la démolition d'une partie de la clôture de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila. Images et commentaires. Je ne sais pas quelle est la recette que vous avez empruntée, en tout cas. Au briefing presse, co-animé avec son collègue du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le porte-parole du gouvernement a planché sur quelques points d'actualité. D'abord, du présumé rapport confidentiel de l'Agence nationale des renseignements qui évoque les contours du meurtre de feu Chérubin Okende, Patrick Muyaya explique. Commencez simplement à en faire la lecture, parce que hier, nous avions parlé justement des fake news, etc. Regardez déjà dans l'entête sécurité intérieure, il n'y a même pas eux à la fin. Pour donner un exemple, je pense que le ministère de l'Intérieur, mon collègue de l'Intérieur, qui a en charge la collaboration avec les services, va protester vigoureusement. Et donc aujourd'hui, je parle sans peur d'être contredit, les confrères ont été manipulés. Et c'est tellement nauséabond, cette manipulation, qui a une volonté délibérée de discréditer une enquête en cours. Finalement, ils auront fait l'objet de relais d'une campagne de manipulation qui vise à discréditer le travail de la justice qui est en cours. Les temps de la justice, c'est les temps de la justice. Le moment venu, le parquet, suivant ses méthodes, communiquera, mais il est hors des questions que vous, lorsqu'on vous pose justement ces questions, de penser même venir me la reposer, parce que le document tel que vous le voyez, c'est un document qui est totalement faux. S'agissant de la polémique née de la démolition d'une partie de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila, le porte-parole du gouvernement relativise. Est-ce que, avant l'arrivée du président de la République aux responsabilités, est-ce qu'on pouvait passer devant le palais de la nation? Si on peut passer devant le bureau du président de la République en fonction, tout le monde peut passer par là. À toutes les heures. Pourquoi ne peut-on pas passer devant la résidence? Encore, je parle sous réserve, parce que je ne suis pas spécialiste en urbanisme, mais je présume que mon collègue Pius Mabilou doit avoir pris toutes les précautions d'usage pour autoriser quelque chose de ce genre. Alors, donc, si aujourd'hui, nous tous, nous pouvons circuler devant le Palais de la Nation, qui est un des sites stratégiques, il faut considérer que si cela ne gêne pas la conduite ou les différents aménagements, on peut passer devant la résidence de tout le monde. Le ministre de la Communication et des Médias a également saisi l'occasion de ce briefing presse pour présenter ses condoléances à toute la corporation à la suite des décès de Stéphie Mukindi, journaliste et rédacteur en chef de Politico.cd.
Dans l'actualité également, la deuxième audience du procès Boukanga Lozo a eu lieu ce lundi à la Cour constitutionnelle en présence cette fois-ci de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, accusé des détournements des fonds alloués au parc agro-industriel de Boukanga Lozo. Après identification des preuves, l'affaire a été renvoyée au 25 septembre pour permettre à toutes les parties de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier. Oui, maître. Pour ses deuxièmes actes, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et ses deux co-accusés étaient bel et bien présents à la Cour constitutionnelle, accompagnés de leurs avocats. Dès les premières minutes de l'audience, les avocats de la défense ont fait remarquer à la Cour que tous les éléments constitutifs du dossier n'étaient pas à leur disposition, d'où la remise leur accordée jusqu'au 25 septembre prochain pour leur permettre de pulcher le fond du dossier. Maître Mathieu Chimpamba, avocat de Christo Grobler, souligne l'importance de disposer de toutes les pièces en matière pénale pour assurer une bonne défense. Donc à l'audience de ce jour, donc nous n'avons pas été en possession du dossier, nous n'avons pas analysé, nous n'avons rien fait. Donc on ne pouvait pas d'emblée comme ça exposer nos clients ou exposer notre client à une instruction pour qu'il soit condamné sans que sa défense n'ait pas bien préparé. C'est à ce sens-là que nous avons sollicité une remise. Le temps pour nous d'aller compliquer les dossiers, prendre connaissance du dossier, étudier les contours, après venir combattre avec la Cour et le ministère public. Il s'y est de rappeler par ailleurs que l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et ses co-accusés, Christo Grobler, patron de la société Mafricom Commodities, ainsi que Deo Gracias Mutombo, ex-gouverneur de la Banque centrale du Congo, sont poursuivis pour des faits de détournement présumés de plus de 200 millions de dollars américains alloués au parc agro-industriel de Boukanga Lozo. On va parler sport dans ce journal. Éliminatoire Cannes-Côte d'Ivoire 2023, la dernière des Léopards de la RDC, affiche presque complet avec l'arrivée de 5 autres joueurs dans la matinée de ce mardi. Il s'agit entre autres du joueur Théo Obangoda, Aldo Kalulu, Fiston Maele, Meshak Elia et Shadrach Akolo. Mais tard dans la soirée d'hier lundi, le groupe de premiers joueurs arrivés à Kinshasa a effectué sa première séance d'entraînement sur la pelouse du stade des Martyrs de la Pentecôte sous la houlette du sélectionneur national Sébastien Desabre. Présent dans le groupe, Arthur Masiaku s'est entraîné avec le préparateur physique. Ouais, ça fait toujours du bien de revenir en sélection, de couper avec ces matchs importants, donc c'est toujours bien d'être là. Ouais, très bien. Un peu long, mais c'est toujours bien de revenir en sélection. J'espère que tout le monde sera là, tout le monde sera au rendez-vous et qu'on va prendre du plaisir. Voilà, je sais qu'on est en train de la qualification, ce qu'on ne pensait pas depuis un mois, deux mois. Donc maintenant, il faut se focus sur ça et espérons qu'on se qualifie. On a voyagé là sur deux jours. On est arrivé tout à l'heure, il y a quelques instants là. Donc tout s'est bien passé, on est arrivé à 6-7 joueurs et voilà, on a bien voyagé. C'est un sentiment de joie, hein. C'est le même que j'avais lors de la première sélection. Et surtout avec l'enjeu qu'on a sur ce rassemblement-là, il y a beaucoup d'excitation et beaucoup d'impatience à l'idée de retrouver nos supporters et le maillot de Léopard. C'est un stade emblématique que je pense que tout Congolais connaît. Voilà, c'est notre stade national et c'est là où on doit faire briller nos couleurs et puis et donner du plaisir à tous nos supporters et tout le peuple congolais. Ouais. Je l'annonçais dans les titres, dans ce journal, nous avons un invité. Il s'agit de Emmanuel Tshibambe, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bonjour Emmanuel Tshibambe. Bonjour Madame la journaliste. Ma première question, comment se porte l'UDPS après le congrès qui a abouti au choix de Félix Tshisekedi comme candidat pour son deuxième mandat à la présidentielle du 20 décembre 2023? De prime abord, je dirais que l'UDPS va bien. Les travaux de notre congrès extraordinaire consistaient à pouvoir entériner les deux résolutions que nous avions prises au mois de janvier,
c'était à Kisantu. Bon, j'ai aussi fait partie en tant que membre de ces congrès-là, de ces travaux de Kisantu, bien entendu, à l'issue duquel nous avons assorti deux décisions. La première, celle de porter d'abord notre choix à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme étant notre candidat du parti. Et secundo, c'était celui de pouvoir renforcer le pouvoir du secrétaire général, parce que vous saviez, c'est notre secrétaire général qui engage désormais le parti depuis le mois de janvier, le 29 janvier 2022. Donc il était quand même restreint de certains pouvoirs, alors tellement il était le seul, il est jusqu'à preuve du contraire le seul patron du parti, nous devrions lui accorder encore certains pouvoirs. C'est pourquoi nous étions réunis au mois de janvier à Kisantu. Alors toutes ces deux résolutions, nous les avons prises. Nous les avons entérinés et à Ngandayala, c'était juste pour entériner cette décision que nous avons prise au mois de janvier à Kisantu. Et entre-temps, comment le parti se prépare pour faire élire Tshisekedi? Bien entendu, nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes des acteurs, nous sommes des généraux de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme étant politique. Nous avons le devoir de faire élire pour un second mandat Félix Tshisekedi comme président de la République. Et nous sommes à pied d'œuvre. Je ne peux pas ici sur votre plateau dévoiler nos 36 stratagèmes parce que nous avons aussi nos adversaires en face. Mais en tant que politique, je vous dis, il y a un travail de surface et de terrain qui se fait au niveau du parti et nous sommes à pied d'œuvre. Vous êtes à pied d'œuvre. Est-ce qu'il y a des garanties que Félix Tshisekedi sera élu président de la République pour un second mandat au regard de ses répressions? On a vu dans son mandat des répressions des marches de l'opposition, des mouvements citoyens. La dernière en date est celui du 30 août à Goma. Est-ce que vous êtes sûr que Félix Tshisekedi gagnera ces élections? Si je dois aussi ajouter avec la crise économique, sanitaire, sécuritaire à l'Est qui continue toujours. Non, madame, moi j'aimerais que. J'ai peut-être la prétention de dire que vous voulez faire un raccordement malencontreux, dire que voilà, la répression et ceci, et patati et patata. D'abord, je commencerai par rapport à la répression. Je commencerai ici par présenter mes condoléances en tant que Congolais. Ceux qui sont tombés le week-end passé, ce sont des Congolais, ce sont mes compatriotes. Je commence d'abord par présenter mes condoléances à toutes ces familles éplorées. Mais je ne pense pas que ce soit le motif de la non-élection de Félix Tshisekedi lors des prochaines élections. Je ne pense pas, d'autant plus qu'aujourd'hui, Tshisekedi incarne l'espoir de tout un peuple. Au regard donc je disais, aujourd'hui, Félix Tshisekedi incarne l'espoir de tout un peuple au regard de toutes ses réalisations. Vous avez vu, le pays était presque mort. Et c'est grâce à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui, nous avons ce regain d'espoir que le pays va encore revivre. Donc avec toutes ces réalisations, son légion, quand je cite l'installation de l'état de droit, lorsque je vois la reconstruction du pays, lorsque je vois l'augmentation de la réserve de change au niveau des institutions, lorsque je vois la gratuité de l'enseignement. Donc toutes ces réalisations aujourd'hui, j'ai bon espoir que le peuple congolais va encore donner un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais je dis ceci, madame, je n'aimerais pas que les gens fassent un raccordement illicite. Aujourd'hui, la crise que nous connaissons, il est de type mondial. Ce n'est pas une invention RD congolaise, non. Il faut que nous soyons cohérents et surtout juste envers nous. Ce n'est pas parce qu'il y a la crise dans notre pays, sur le plan économique, ce qui se passe partout ailleurs, aujourd'hui, avant-hier. C'est l'argument parfait. Madame, ce n'est pas l'argument. Ce n'est pas un professeur d'université qui viendra sur ce plateau pour me dire Emmanuel, 1 plus 1 égale 3. Non, madame. Vous et moi connaissons que 1 plus 1 égale 2. Même un savant ne peut pas venir vous dire que 1 plus 1 égale 3. Ça veut dire que c'est une réalité. Une réalité éternelle d'ailleurs, que la crise, elle est de type mondial, ce n'est pas une invention congolaise, voilà. Donc, vous avez parlé ici de l'état de droit que vous prenez par le chef de l'État, mais vous parlez d'un état de droit, on assiste à des arrestations, et le régime Tshisekedi, l'UDPS, blanchit ces mêmes personnes, on prend les cas de Bisselele. Est-ce qu'on peut parler de l'état de droit avec Félix Tshisekedi? Est-ce que Bisselele a été blanchi? C'est ça aussi la question que moi je me pose. La réponse, elle est tout de suite non.
Mais il est on a assisté à des acquittements. Non, écoutez, lorsqu'on vous acquitte à la justice, madame, ça aussi, il faut que les gens comprennent. Mais on connaît avec le système congolais lorsqu'on est acquitté. Ce système, c'est vous seul qui les connaissez. Moi, je vous parle de ce que moi aussi je connais. Moi, je sais qu'en justice, lorsque on vous relaxe, ce n'est pas tout de suite dire que vous êtes blanchi. Non. Ça, c'est à la justice de pouvoir apprécier quand même les infractions ou soit la raison pour laquelle vous avez été appréhendé. C'est à la justice. Lorsque vous collaborez avec la justice, c'est à cette dernière de pouvoir apprécier par rapport à votre cas. Pour le cas Bisselé, nous connaissons tous les accusations, les greffes qui lui ont été reprochées. Et moi, selon mes câbles, j'aurais appris qu'il a accepté de collaborer avec la justice. Il a été incarcéré. Je pense qu'à mon niveau, en ce qui me concerne, à moins que je fasse une fausse lecture, je pense qu'il a eu à collaborer exactement avec la justice. Et c'est à la justice de pouvoir apprécier par rapport à ce cas-là. Donc, vous me parlez de Vital Kamerhe, ça aussi c'est un autre cas. Vital Kamerhe a été incarcéré, tout le monde le sait. Et il a coopéré avec la justice. Et au niveau du second degré, au niveau de la cour de cassation au second degré, moi j'ai vu la requête, le haut magistrat a dit que il n'a pas de preuves suffisantes. Mais on parle d'un état des droits, madame. L'état des droits, les gens doivent aussi apprendre ce que c'est un état des droits. Mais personne ne peut pas. Madame. L'état des droits, c'est aux côtés de l'UDPS. Madame, il purge la paix. À ma connaissance, Vital Kamerhe n'est pas membre de l'UDPS. Il est président d'un parti politique et tout le monde. Non, vous parlez de l'UDPS. Moi, j'ai dit, Vital Kamerhe n'est pas membre de l'UDPS. Et puis, nulle part, j'ai vu la cour dire que M. Kamerhe est innocent. Nulle part. La cour a estimé qu'on peut relaxer M. Vital Kamerhe, mais on n'a pas dit qu'il était innocent. J'ai vu la requête du ministère public dire qu'on n'a pas de preuves suffisantes. Madame, cela ne veut pas. Parce que nous sommes dans un état de droit, je ne peux pas aller dans une institution pour aller vous accuser faussement et je ne détiens pas de preuves parce que nous sommes dans un état de droit, on doit forcément vous arrêter. On peut vous arrêter par préventivement, n'est-ce pas? Et puis, après avoir mené des enquêtes, le ministère public se rend compte que non, Emmanuel n'avait pas des preuves suffisantes à pouvoir intenter Madame Gaëlle en justice. Tout de suite, on va vous relaxer. C'est ça l'état de droit. Donc, nous ne sommes pas experts en matière juridique, mais nous devons applaudir ce qu'ils font nos magistrats aujourd'hui. Hein? Voilà. Après 32 ans de lutte dans l'opposition, est-ce que l'UDPS est fier de ce premier mandat de Félix Tshisekedi? Après 37 ans de lutte, vous voulez dire, nous sommes suffisamment fiers de la manière dont le fils du sphinx, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été intronisé comme chef de l'État. Son passage, après 4 ans d'exercice, 4 ans et demi d'exercice à la tête du pays, nous en sommes fiers. Et nous lui devons fière chandelle, madame. Et nous allons croire que toutes ces réalisations se concrétiseront lors du prochain mandat. Parce que nous, peuple congolais, sommes décidés de pouvoir donner un second mandat à Félix Tshisekedi pour affiner sa vision et surtout son programme. Affiner sa vision, certaines personnes vous qualifient d'un régime des revanchards. Si on doit voir les dossiers GLM, la démolition de la clôture de l'ancien président de la République, on prend aussi la démolition aussi à la fondation Musée Laurent-Désiré Kabila. Non, mais toutes ces personnes-là aussi, il faut leur rétorquer la question. Vous en serez fiers si un quidam venait chez vous, venir spolier votre propriété pendant 18 ans, et un quidam vienne spolier 4 avenues. J'ai dit bien 4 avenues, madame, pendant 18 ans. Nous avons vu comment est-ce que M. Kabila a spolié 4 avenues, l'avenue de Fleuve, l'avenue de Vallée, l'avenue des Nations Unies et une grande partie de l'avenue Ouganda. Je suis passé là ce matin, j'étais là avant-hier, hier également. J'ai vu ce que j'ai vu, madame. On ne construit jamais sous l'emprise publique. Que vous soyez chef d'État ou qui que ce soit, on ne peut pas construire sous l'emprise publique. On n'a pas démoli la maison de M. Kabila. Ça, il faut aussi que les gens soient bien et suffisamment informés. On n'a pas démoli la maison de M. Kabila ni sa clôture. L'État a tout simplement rétabli des lois. On ne peut pas construire sur l'emprise publique. M. Kabila avait construit sur l'emprise publique
et l'État avait le devoir de pouvoir établir la voie publique. C'est ce que l'État a fait tout simplement. Il n'y a pas d'acharnement dans la... Quel acharnement au cas de la Fondation Musée. Mais écoutez, d'abord je finis d'abord pour le cas de la parcelle de M. Kabila. Moi j'ai appris, excusez-moi, je ne suis pas venu raconter ma vie, j'ai des relations, des bonnes relations avec la famille Lito. Mon ami Pichu que je salue, un des petits-fils de Lito Mobuti. Mais moi je connais, même si ce n'est pas une véracité, mais je connais beaucoup de situations par rapport à cette résidence. Il semblerait, je parle au conditionnel parce que je n'ai pas toutes les preuves entre mes mains, il semblerait même, M. Kabila, cette résidence, il n'en a pas acquise en bonne et due forme. Et il y aurait même une plainte en gestation contre M. Kabila de pouvoir dédommager la famille Lito pendant 18 ans, de pouvoir détenir leur résidence de façon illégale. J'entre pas là dans le fond, mais quand même je donne quand même la coquille du problème, que le Congolais sache de quoi s'agissait. Il ne s'agissait pas de la démolition de la résidence de M. Kabila, il s'agissait de la démolition là où M. Kabila avait construit sur la voie publique. Aujourd'hui, je suis passé par là avec mon véhicule, je me suis dit, je peux quand même rouler sur l'avenue des Vallées, je peux quand même rouler sur l'avenue du Fleuve, je peux quand même rouler sur l'avenue Ouganda, je peux quand même rouler sur l'avenue des Nations Unies. Ça, c'est sur l'emprise publique, madame. Vous devriez en être fière que l'emprise publique nous ait restitué, nous, contribuables congolais. Voilà. Votre mot de la fin? Le mot de la fin est que merci pour cette réception, pour cette tranche. Et je demande aux Congolais, à tous mes compatriotes, de pouvoir faire confiance au chef de l'État. Soyons tous prêts le 20 décembre pour aller donner un second mandat au chef de l'État et surtout lui donner également une majorité à l'Assemblée nationale pour que nous évitions toutes ces scènes que nous avons vécues ici lors de pendant le rétablissement ou de la majorité à l'Assemblée nationale. Nous, je ne suis pas venu faire ma publicité ni ma campagne. Nous en sommes également candidats. Dans le moment prochain, nous vous donnerons le message idoine. Merci mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette session d'information. Nous espérons que Emmanuel Tshibambi reviendra dans nos prochains programmes. Bonne suite de programme sur A30 Télévision. Je vous retrouve demain à 19h30. Au revoir. Actu 30, au cœur de l'actualité. Actu 30, au cœur de l'actualité.